Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les rôles en équipe Belbin. L'objectif est de reconnaître les différents rôles dans une équipe. Le promoteur. Il utilise sa nature curieuse pour trouver des idées à ramener à l'équipe. Ses forces. Il est extraverti, enthousiaste, et explore les opportunités et développe les contacts. Ne soyez pas surpris s'il oublie de faire un suivi avec un prospect. Le soutien. Il aide l'équipe en utilisant sa polyvalence pour identifier la charge de travail à effectuer et la complète pour le reste de l'équipe. Ses forces. Il est coopératif, diplomate et écoute et détourne les frictions. Ne soyez pas surpris s'il pourrait être réticent à prendre des décisions impopulaires. Le coordinateur. Il se concentre sur les objectifs de l'équipe et délègue le travail efficacement. Ses forces. Il est mature, confiant et identifie les talents et clarifie les objectifs. Ne soyez pas surpris s'il pourrait trop déléguer, se laissant peu de travail à faire. Le concepteur. Il tend à être très créatif et bon pour résoudre les problèmes de façon non conventionnelle. Ses forces. Il est créatif, imaginatif et résout les problèmes difficiles. Ne soyez pas surpris s'il pourrait être distrait ou oublieux. Le priseur. Il fournit un œil logique, ce qui rend ses jugements impartiaux et pèse les options de l'équipe de manière objective. Ses forces. Il est sobre, stratégique et exigeant, et voit toutes les options et les juge avec précision. Ne soyez pas surpris s'il pourrait être lent à en venir à des décisions. L'expert. Il apporte une connaissance approfondie d'un domaine clé de l'équipe. Ses forces. Il est dédié, résolu et fournit des connaissances et des compétences spécialisées. Ne soyez pas surpris s'il vous surcharge d'informations. Le propulseur. Il fournit la drive nécessaire pour veiller à ce que l'équipe continue de progresser et ne perde pas le focus. Ses forces. Il est dynamique, est plus performant sous la pression et a le courage de surmonter les obstacles. Ne soyez pas surpris s'il pourrait devenir agressif et de mauvaise humeur dans ses efforts pour faire avancer les choses. L'organisateur. Il est nécessaire pour planifier une stratégie viable et l'exécuter efficacement. Ses forces. Il est pratique et fiable, efficace et transforme les idées en action et organise le travail qui doit être fait. Ne soyez pas surpris s'il pourrait être lent à renoncer à ses plans en faveur de changements positifs. Le perceptionneur. Il est le plus efficace lorsqu'utilisé à la fin d'une tâche pour la polir et examiner les erreurs en se référant aux normes les plus élevées de contrôle de la qualité. Il est laborieux, consciencieux et soucieux, recherche les erreurs et est brillant et perfectionniste. Ne soyez pas surpris s'il pourrait être accusé de prendre son perfectionnisme à l'extrême. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.